premier décalage inaugural sur le déco du ridge du Biton. Alors, la montagne qui s'appelle le Biton, c'est celle-là. 600 ou 610 mètres d'altitude. Bien, je vais venir ici quand il vente trop fort au sommet. Je suis à peu près 400 pieds en bas du sommet. Une roche naturelle. Une possibilité d'atterrissage en bas là. C'est vraiment un atterrissage de secours parce que c'est vraiment petit. Grâce à ce moment, il est là. Mais là, j'ai l'impression que le vent est en train de tomber, par exemple. Il n'y a jamais eu de décalage ça. On va voir ce que ça donne. On va prendre du vent, pardon. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Merveilleux. C'est notre décalage. Là, ça va être en bas. Là, c'est le ridge du Biton. Il fait un petit coup d'en arrêt de la montagne puis il continue. Il aurait inventé trop fort ça même des cadeaux, ça c'est sûr. Donne une petite alternative. Ça prend 25 minutes pour monter à pied à ce décalage-là. Ça c'est intéressant aussi. Par contre, si on atterrit à l'atterrissage d'Orgères, il y a un kilomètre ou un kilomètre et demi à marcher vers le chemin public. Là, on peut voir la suite du ride. Ouais, il y a un oiseau en bas. Peut-être un faucon. Ça fait une queue du tout. Maintenant, ça monte encore.
Là, je suis à 1 km du décalage. On voit la tache blanche là-bas. Il y a déjà 1 km de fait. Il y a des atterrissages au bout, sauf que si on atterrit là, on a un petit détour à faire par la ville là-bas. C'est pas vraiment intéressant de l'atterrir là. On voit le bon headstock là-bas. On est gâté qu'un nuage. Peut-être qu'un jour je vais me prendre jusqu'à l'autre, hein, mais pas tout de suite. T'as pas payé par exemple. C'est tout bon. C'est ça que tu viens de tirer ici que je viens de passer. Ça, ça t'a demandé ça te reprend d'autres décalages. Ah, il y a plus d'arbres à l'avant. Super!